Bonjour, Jean-Noël Hermite, moniteur d'atelier espace vert à Lesat le Grand Lenche. Bienvenue sur le site du château de Saint-Jean-de-Garguier. Nous sommes ici sur un des plus vieux chantiers de Lesat, le Grand Lenche, dont la spécificité est l'entretien jardin espace vert. L'équipe d'entretien est composée de 8 ouvriers plus un moniteur. Et ici, nous réalisons différentes prestations de travaux de jardin, d'entretien et aussi de débroussaillage forestier pour la mise en sécurité incendie du site. C'est un site qui se prête très bien à l'accueil des personnes de notre public et à cette activité. Nous avons une étroite collaboration avec la mairie de Gemenos qui nous accueille sur ce site et qui nous laisse la totale liberté de gérer nos activités comme nous le souhaitons. Le but aussi de notre activité, c'est de maintenir une relation et de rétablir l'équilibre entre l'homme et la nature en ayant pour objectif de réaliser zéro déchet. Donc ici, tous nos déchets sont retraités, sont broyés pour composter, pour faire du BRF et pour produire de l'épandage qui va nous servir pour les jeunes semis ou en fertilisant comme engrais vert. C'est une activité qui nous procure beaucoup de bonheur au quotidien. Et l'équipe prend beaucoup de plaisir à travailler sur ce site. La population que nous accueillons au sein de l'ESAT le Grand Lenche est une population de déficients intellectuels et de personnes souffrant de troubles du comportement. Donc cette activité se prête très bien à leur accueil car elle permet d'offrir à chacun un cadre de travail libre et en même temps de pouvoir travailler en toute autonomie sous le regard du moniteur et bien sûr dans des conditions de sécurité idéales. Alors le but de l'activité de l'ESAT, c'est le débroussaillage forestier, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Le but, c'est de réduire la matière végétale de façon à favoriser le travail des pompiers en cas d'incendie. Et aussi, deuxièmement, c'est de favoriser la prolifération de plantes avec un semis naturel et spontané, une espèce type le chêne blanc, qui vont mieux proliférer quand le sol est propre. Ça va nous permettre d'épandre le broyat, le BRF qui est fabriqué à partir de résidus, de l'étendre au pied des jeunes plants et favoriser ainsi notre pépinière.